Hey, salut tout le monde, c'est Spectral, comment ça va? On se retrouve bien pour les plays de Pokémon version Shuffle. Donc ben, j'ai eu vraiment quelques soucis au niveau du PC, hein. Dernièrement je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que mon PC est en train de mourir, hein. Je pense que c'est le mot qu'il faut évoquer, hein. Bonjour à tout le monde qui est sur le chat au niveau du live sur Twitch, ça fait plaisir. Bonjour à toi Thomas Nolès, Keldeo, Crowway, Pyrolix, Nono le Bilal, coucou à toi. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Cocolab aussi, je t'avais pas vu, bienvenue aussi à toi. Niel aussi, bienvenue. Kylan Lamus aussi, bienvenue. Kaleo SH aussi. Et Momokudo aussi qui vient juste d'arriver. Bien, ça va très très bien malgré les bugs. Alors, le truc qui est casse-couille, on va le dire, c'est que mon setup était tout préparé. Donc, j'ai voulu mettre le cheat dans Pokémon Shuffle. Et ce qui s'est passé, c'est que l'écran du bas et l'écran du top a sauté, ainsi que le son où je commentais. Donc du coup j'avais plus de son, j'entendais plus rien, je disais mais je peux pas démarrer live. Et je pense qu'on même on a quelques petits drops, donc si vous avez des drops dites-moi, comme ça j'essaierai de régler tout ça. Donc oui effectivement on a deux écrans justement du haut, donc on va supprimer ça. Ah, c'est bien parce que quand on commence à live on veut que ça soit de qualité, et il y a toujours un petit souci avec mon PC où il split, j'ai l'impression que c'est split qui déconne et c'est tout le temps la grosse merde, clairement. Donc bon, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà, perte d'image détectée, la qualité de votre flux est peut-être affectée. Bon, ça faudra que je règle, ça des fois ça marchait bien, hier ça marchait très très bien, on a fait un live donc de 4 heures sur Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, la rediff est bien sûr disponible, ainsi que Inazuma Eleven 3, les Ogre Attack, et bien aussi la rediff est disponible aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, je suis un peu désolé ce qui se passe en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mon PC il est en train de cramer, je pense. Salut à toi, des rabis, comment tu vas, Lucky Larry, coucou à toi. Pokered aussi, bienvenue à Dame Terence. Gigasword aussi, j'ai enfin fini le jeu à 100% et t'as commencé Zygarde. Non, pas du tout. Alors, aujourd'hui, je vous propose sur Pokémon version Shuffle, les annonces suivantes. On va récupérer Zygarde à 50% car on l'a pas encore récupéré. J'avais entendu que Zygarde était à l'échelon, donc j'ai pas vraiment regardé hors vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps. On a le retour d'un Demeteros justement, mais c'est pas un retour de Demeteros normal. On a un Demeteros totémique. Je crois qu'il a une base stat de 80, donc faudra bien qu'on le récupère. Le retour de Manaphy, un Manaphy qui était disponible par Safari Pokémon il y a longtemps de cela, hein, il faut l'avouer. Et il est aussi disponible, on a toujours les Pokémon du jour, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on aura, lundi on a Spiritomb, le mardi on a Girafarig, le mercredi on a Kikléon, le jeudi on a Karatroc, et le vendredi on a Relicanth. Donc c'est déjà un safari, pas un safari mais plutôt le retour des Pokémon du jour qu'on a déjà récupéré, mais en tout cas il y en a qui peut être sympathique, donc je vous conseille bien évidemment de récupérer les Pokémon du jour. Bien sûr au niveau du mobile, il y a aussi le retour à l'échelon pour le Zygarde, 50% pour choper justement des power-up et tout ça, mais de toute façon nous on en a déjà, et puis on va continuer bien sûr la quête à 100% au niveau du jeu sur la quête principale. Voilà. Oui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est tout à fait normal déjà, parce qu'il y a eu un petit retard par rapport à un problème technique, et aussi que je ne live plus sur YouTube. Voilà. Bon, on va commencer, on va pas plus tarder que ça. 10% de Zygarde, c'est pas un chien. Non, le 10% de Zygarde, c'est un chien. Le 50%, c'est le Zygarde normal que vous avez dans la version X et Y, et le 100%, c'est un espèce de Transformer. Tout simplement. Bon, on est parti. On est parti malgré tous les bugs qu'on peut rencontrer au fil de l'aventure. J'ai un drop quand même de 10948 et une frame encodée de 43757 frames. C'est assez bizarre. Dites-moi si vous avez des bugs. Spectre a un problème direct. Est-ce que vous avez vu s'il y a un souci au niveau de Pokémon Shuffle? Est-ce que vous avez des drops? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le son du jeu avant de commencer le live? Je préfère préciser cela avant qu'on commence le live. J'ai l'impression aussi qu'il y a des espèces de petits drops. Notamment au niveau du don qui défile, en fait le défilement du texte a l'air de bugger. Transformer XD, il est pété Zygarde. Ah, on ne voit plus ta tête. Non Sébastien, il n'y a jamais eu ma tête dans Pokémon Shuffle sur mes 55 premiers épisodes, donc c'est pour ça que je ne mets pas ma tête, mais sinon dans les autres let's play, oui. Pas de son du jeu, il y en a ils ont pas de son du jeu, pourtant moi je l'ai, je comprends pas.
J'ai le son du jeu et vous l'avez pas. Non, déjà, tu veux, il y a un souci, tu vois. C'est normal, j'ai mes joueurs. Non, moi, j'ai pas de souci. Il y en a qui disent j'ai pas le son du jeu, donc ça, je comprends tout à fait pas du tout. Sachant que je l'entends. Il y en a qui disent pas de souci, même si j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques petits drops au niveau du défilement de texte. Moi, pas de souci. Non, moi, pas de souci, pas de souci. Oui, pas de souci. Ok, pas de souci. Ou pas de souci. Très bien. Bon bah s'il n'y a pas de souci, ben tant mieux, tant mieux. Mais peut-être que c'est Orange qui bride, peut-être. Non, le son est pas fort. Ah bah faut l'augmenter, Caldeo. Moi je l'ai déjà augmenté à 10%. À 10%, donc c'est quand même pas mal. Sinon je le mets à 8% en règle générale. Bon, eh bien on va commencer bien sur le... Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait tenter le Manaphy parce que bon, on l'a déjà récupéré. Mais bon, comme ça, vous verrez justement si le Pokémon est très puissant ou pas du tout. Je pourrais partir sur quoi? Donc, Mega Lexprint, ouais, ça peut être pas mal. Mega Pharamp, hein, moi je trouve que c'est la source sûre à chaque fois. Tiens, avant de commencer justement ce niveau, on va regarder au niveau des annonces. Alors, au niveau de l'info, qu'est-ce qu'ils disent? Impuissance plus, donc conseiller et emmener Flagado sous Masco qui vous rendra les choses plus faciles. Donc, je crois que Flagado et Masco se récupèrent aux alentours du niveau 50 à 60 il me semble. Donc on va utiliser impuissance. On va pas utiliser d'autres power-ups je pense. De toute façon on est blindé de pièces et de joyaux aussi également. Donc c'est parti. Ouais 3000 ça va, on est bien, on est bien. De toute façon on n'oublie jamais le dimanche les pièces de Miaou, c'est très très important. Bon et eh bien on est parti. On est parti. Alors du coup il fait quoi comme ah, il fait des entraves de glace, très très bien. Il fait des entraves de glace. Je pense qu'on va partir sur le sur les 5 Pharamp. Comme ceci. 656. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On pourrait partir encore sur un petit Zekrom là, après. Ah, il est un petit peu pénible quand même au niveau de ses entraves. Hein. Salut Chromeille, ça va bien? Actualisé avec F5. D'accord, je suis trop habitué au Axe de prendre sa place. Ah ouais, pas de soucis Sébastien, t'inquiète pas. Je reviens tout à l'heure. Ah, plus qu'elle... D'accord, je suis... Spectre, qu'est-ce qu'il y a Chromeille? Dis-moi tout. Tu as un souci? 100% c'est un tank, mais on l'a jamais vu. D'accord. J'ai l'impression quand même qu'il y a des drops. Hein. Vous me dites qu'il n'y en a pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a 1 million. Non? C'est bizarre. C'est peut-être moi qui divague, hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Bon, déjà, le puissance, hein, vous voyez que ça fait le taf. Il reste que 9 coups restants. Je pense qu'on va l'avoir. Hein. Pas rond S, hein, bien évidemment, mais c'est pas si grave que ça. Nous, on veut juste le recruter. Sachant qu'on l'a déjà recruté, mais c'est pour vous montrer que... Je pense avec un puissance plus à 3000, ça suffira amplement pour finir ce niveau. Je pourrais partir sur... peut-être déclencher le talent combativité justement au niveau du Junko. Ah, le combativité s'est fait mis, il s'est mis en place. Hop. Ah, il est pas si... Ah quoique là c'est bon, regarde, attends, on va finir avec ça je pense. Et on va l'avoir en méga. Et je pense que ça va même terminer. Voilà nickel. Donc voilà, possible avec un peu Europe, donc un puissance conseillé justement par le jeu. Eh bien utilise-le, hein, très très important. Tu vas faire du Fire Emblem. Crowey, jamais fait un Fire Emblem de ma vie. Je sais pas, peut-être un jour en live. Peut-être en vidéo, une petite vidéo découverte, sachant que je peux avoir le jeu, mais par contre, je crois que je pourrais avoir juste le jeu US, parce que Fire Emblem Fate avec les 3 opus, d'après ce que j'ai entendu, mais je crois que je peux le trouver, ouais, en version anglaise, en DL, donc ouais, ça va. Je pourrais peut-être vous montrer une vidéo dessus. Peut-être que je ferai une petite vidéo de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de je sais pas quoi. Le nouveau jeu qui est sorti de la part de Nintendo, donc sur 3DS, donc pourquoi pas le tenter, on verra bien. Petit drop aussi, hein, il y en a qui disent petit drop aussi. Bon bah je suis désolé hein, s'il y a quelques drops. Je comprends pas, je pense que c'est le PC qui déconne. Ouais, parce que ça... Non, c'est le truc que je comprends pas, ça marchait très très bien hier. On n'a pas eu de drop etc. Et là je l'ai du drop. C'est peut-être le serveur qui fallait pas prendre. C'est peut-être possible. Parce que j'ai pris Francfort ou Amsterdam et d'après ce qu'on m'avait dit, donc c'était plutôt pas mal. Paris, faut jamais l'utiliser. Hein. Paris, c'est la plus grosse merde que vous pouvez faire justement pour avoir le plus de drops possible et que votre live soit inéregardable. En fin de compte, tu pourras même pas le regarder tellement que c'est compliqué. Donc du coup, on va essayer de capturer le Demeteros Totemic cette fois-ci.
Alors du coup il nous conseille quoi? Alors il s'agit d'un seul niveau, vous pourrez rencontrer ce légendaire Megonyglali, donc le niveau 120 bien évidemment, attraper Onyglali dans le niveau 108 et le Megonyglali niveau 120, donc voilà, ouais, j'avais bien raison, utiliser 20 puissance plus, on va tenter un puissance plus, alors voyons voir au niveau de mon Pokémon, donc on me conseille Megonyglali, donc on va l'utiliser, on va utiliser un puissance et je pense que ça suffira pour le niveau. Non, non pas Mario et Sonic. Non, non, Sonic. Ah, c'est de Rio, merci à toi, Kylan Lamunus76, merci beaucoup, bienvenue à toi. Un jour, je pourrais t'affronter sur Rossa. Bien sûr, le hack va prendre sa place, c'est tous les jeudis sur Gaming Live, sur la TV Pokémon. Si tu viens le jeudi à partir de 15h, eh bien, tu pourras, bien sûr, il faut avoir Twitter, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est très important. Bon, alors là, on est plutôt mal, je pense, pour commencer le niveau. Sachant que il lui reste 17 coups restants et c'est un petit peu l'euphorie au niveau de ses points de vie. Ça va pas être facile je pense pour capturer ce Pokémon. Hein. Sachant que je l'ai pas donc c'est plutôt cool, au moins ça me fait un petit challenge en plus. Ah ouais, là ça va être compliqué je pense. Alors attends, il faudrait viser justement le petit... Ouh, 347. Ah il a le talon Hazard, d'accord. Ah, intéressant. Intéressant. Je vais partir sur ça. Comme ça, il resterait juste le Palkia au niveau de la glace. Attends, mais attends, j'ai même pas... Waouh, t'es sérieux, là? Oh là là, ce Pokémon, il est fou. Il est fou, ce Pokémon. Ah, il y a quand même un sacré enjeu, quand même. Ah, il a une base stat de 80, hein, d'après ce qu'on m'avait dit. On m'a un petit peu spoilé, malheureusement. Manaphy, je sais plus, il a combien au niveau des stats. Si vous pouvez me dire sa base stats, comme ça les gens le sauront. Sinon on regardera après le niveau si on le réussit, mais j'ai pas l'impression qu'on va le réussir ce niveau là. Ça risque d'être assez compliqué, le Mega Onyglali. Enfin il arrive sur le terrain un petit peu avec beaucoup de retard. On va tenter... c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vais tenter ça, on verra bien. Alors on peut tenter justement le Mega Onyglali ici. Le midlife du côté de Demeteros totémique. Ouais, non, je pense pas qu'on va l'avoir là. Faut vraiment avoir une chance de fifou là. C'est clairement, je pense, pas possible. Ou alors, j'ai vraiment pas fait les bons combos au niveau des links. Je pense que, ouais, j'ai mal joué. On va essayer avec un coup plus 5 pour voir. Sachant que c'est comme ça équivaut à 800 pièces de jeu. Par contre, il a. Oh là 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 là. Par contre, j'avoue que ces entraves sont assez chiantes dans le jeu. Alors attends, on va retenter ça vite fait pour voir s'il y a des méga Onyglali qui arrivent. Oh ouais, là c'est pas mal, attends. On pourrait partir sur celui-là, tiens. Ah, 812, hein, 812 seulement et on a même pas réussi pour le moment. On va essayer de faire comme ça pour le moment. Ah, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout, là. Bon bah on a... Ouais mais après on n'a pas réussi à le capturer hein. C'est ça aussi le problème. C'est que on a réussi à finir le niveau. On va gagner 200 ou 300 pièces de jeu. Par contre est-ce qu'on va arriver vraiment à capturer ce Pokémon? Est-ce qu'il a un taux de capture assez facile ou difficile? Ah c'est la question qu'on se pose. Manaphy à 70 de bad stat. Merci à toi Dame Terrence, merci beaucoup à toi. Lune Soleil c'est le mois prochain. Non c'est pas du tout le mois prochain. Par contre si vous voulez des informations dessus, ça sera le mois prochain pour le Koro. Je pense que plutôt tu parlais de ça et pas forcément du... Qui parle justement du jeu, la sortie officielle etc. Sachant qu'il sortira sûrement novembre, décembre ce jeu. On est à 18% malheureusement. Ce n'est pas assez, on va tenter à 36%. Pourquoi pas tenter à 36% une Super Bowl maintenant, tout de suite. Voyons voir si on a de la chance aujourd'hui. Eh bien, pour le moment, c'est pas vraiment terrible. Allez, on tente une deuxième Super Bowl. Bien sûr, si vous voyez que vous n'arrivez pas à capturer le Pokémon, vous éteignez bien sûr le jeu et vous revenez. Comme ça, vous ne perdez pas les pièces de jeu, tout simplement, pour utiliser des Super Bowls. Allez, vas-y, on retente une troisième Super Bowl. Et on l'a capturé au bout de la troisième Super Bowl. Je vous conseille, si vraiment vous le voulez, bah voilà, vous utilisez pas mal de Super Bowl, ou bien si vous voulez l'utiliser en une seule Super Bowl, eh bien vous recommencez. Au pire, vous perdez juste une vie supplémentaire, mais au moins vos pièces ne sont pas affectées pour la capture du Demeteros. Et on va regarder justement au niveau du talent. Donc il augmente les dégâts aléatoirement, donc il a bien sûr une base stat de 80. On me l'avait dit, donc c'est la forme totémique du Pokémon, donc un Pokémon de type seul. C'est plutôt pratique, hein.
Ça sent la victoire. Ah tiens, j'ai des petits lags. Eh bien, Rix, ça vient peut-être de Twitch. J'en ai aucune idée. Je suis désolé si vous aussi vous avez des lags. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le Zygarde. Le Zygarde, alors voyons voir. Alors, on nous conseille quoi là? Zygarde 50% apparaît, défions-le dans un combat échelon. Ah, c'est un combat échelon, d'accord. Durant ce combat, vous grimpez d'un échelon à chaque victoire. Plus haut vous irez, plus il sera aisé de capturer Zygarde forme 50%. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les niveaux classiques combat échelon. Récompense échelon 30, échelon 40, échelon 50, 70, 90, 100. Ok, très très bien. Donc, on a quand même des choses assez intéressantes justement au niveau du méga turbo. L'échelon 50 qui est très intéressant. L'hyper XP, hein, l'hyper XP que je ne peux pas récupérer dans mon cheat. Hein, il faut le savoir, j'ai eu juste l'XP 1,5. Même si je peux bombarder bien sûr ça. Mais l'XP hyper XP, je ne l'ai pas encore débloqué. Ou il faut faire une mise à jour du cheat, je sais pas beaucoup. Et le niveau max, donc très pratique, mais ça peut être jusqu'à 20 Pokémon seulement parmi une liste prédéfinie. Donc. Pas tous les Pokémon peuvent avoir un niveau max plus du niveau 10, voilà. Si vous sautez un niveau ayant une récompense associée, vous pourrez quand même recevoir cette récompense en terminant un niveau plus élevé que celui que vous avez sauté. Quoi? J'ai pas compris, là. Attends, je vais prendre qui Mega Rayquaza Ouais, Mega Latchou, de toute façon, niveau 1, ça va pas être très compliqué. Tu as eu Roi Tiflamme, je crois, Gigasford, faudra qu'on regarde. Dans le jeu, y a-t-il Zygarde 100%? Je pense pas qu'il l'aime pour le moment. Il me semble pas. Voilà, il est bientôt mort, de toute façon, le Pokémon. Donc, ça va être plutôt facile, je pense. On va faire ça vite fait. Il reste 14 coups restants, à moins que ses entraves sont plutôt compliquées. Ah bah ok, il fait apparaître des Zygardes. Zygarde est du type dragon, donc c'est assez marrant. C'est parce qu'on aura toujours des dégâts super efficaces. Il y a quand même 160... En link de 3, donc c'est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être vachement avantageux? Je vais essayer ça, tiens. Ouais, bah plutôt pas mal. On va bien sûr le capturer à 1%, hein, avec la chance qu'on a. On verra bien. On va regarder pour le Roi Tiflamme, hein, TKT. Tiens, j'ai des petits lags. Oui, je sais, malheureusement. Je vais essayer de faire au mieux pour ne pas avoir plus de lags pour des prochains streams. Sûrement après cela, je ferai des tests. Parce que là, j'avais quand même 3 chances, hein. 3 chances, hein. C'est dommage. La Pokéball a roulé 3 fois, malheureusement il n'est pas venu dans cette Pokéball, on a récupéré bien sûr 200 pièces. Je crois que par niveau on récupère 200 pièces, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que c'est? Zygarde s'énerve? What the fuck? L'échelon du niveau monte de 3? Zygarde peut s'énerver, mais what? Ça veut rien dire. Ah, c'est une nouveauté. Ah, comme quoi, pas mal. Il nous surprend de jour en jour, hein, Pokémon Shuffle. Sachant que mardi, ça va être très très intéressant. On aura bien sûr le Sachanobi, enfin. L'Amphinobi de Sacha, donc qu'on peut avoir dans les trailers du film. Le dernier en date avec Volcanion. Et bien sûr, l'anime Pokémon XYZ. Donc comme ça, on pourra récupérer bien Amphinobi Sacha. Et la semaine prochaine aussi, je crois qu'on aura le retour de la Brazégalite. Ou peut-être pas le retour de la Brazégalite, peut-être qu'on l'a jamais eu la Brazégalite. Sachant que Brazégalite est disponible dans les Pokémon X. Il est plutôt assez compliqué et bien capturer son power-up. Et bien sûr on aura Simia Braz qui fera sa première apparition. Donc c'est plutôt cool. Après c'est sûr on n'a pas un nouveau Safari tout ça, mais bon ça va venir avec le temps. Tout ce qui est Primo Groudon, Primo Kyogre, je pense que ça va arriver très prochainement, hein. Ne vous inquiétez pas. Shuffle continue à être mis à jour après un an d'existence. Et je pense que ça leur rapporte quand même pas mal, je pense, hein, Shuffle. Même si c'est que des microtransactions, je pense qu'il y en a qui jouent beaucoup au jeu et qui se permettent d'acheter des microtransactions de temps en temps. Pas tout le temps, hein, sinon tu vas te ruiner un petit peu, tu vois. Un peu comme les skins de League of Legends, tout ça, tu vois. Donc, bon, c'est plutôt cool pour Pokémon Shuffle. Si on voit bien que ça marche, bah ça fait plaisir, tu vois. En plus, le jeu, moi, je le kiffe, tu vois. Après, oui, j'ai déboursé un seul centime, hein, ne vous inquiétez pas. Zéro centime avec le cheat. Heureusement que j'ai le cheat, hein, je vous l'avoue. Sinon, j'aurais pas pu faire toutes ces lives, toutes ces vidéos sur Pokémon Shuffle. Sachant qu'il faut farmer.
Donc là c'est bien un petit live de temps en temps sur Pokémon Shuffle qui vous prévient de l'actualité, eh bien sur Pokémon Shuffle. Ah 10%, hein, ça arrive quand même à 10% avec une Super Ball, hein, c'est plutôt pas mal. Donc du coup on a échelon plus 3, qu'est-ce qui se passe là? Il est encore en train de s'énerver ou comment ça se passe? Ah, après avoir vaincu Zygarde en mode énervé, l'échelon du niveau est monté à 6, Zygarde s'est calmé. Oh là, on est déjà niveau 6, mais c'est trop génial ça. Récompense suivante, au niveau 30, on aura un XP justement, bah, je crois que c'est 1,5. Ouais, je crois que c'est ça, un XP 1,5. On est déjà niveau 6, mais c'est vraiment pas mal hein, ce qu'ils font. Hein. Franchement, il y a pas mal d'ajouts qui sont implémentés et ça fait toujours plaisir. C'est la mise à jour, et ouais, c'est vrai que la mise à jour est plutôt sympathique. Alors, Kylan Lanus 76 qui me dit, tu as Deoxys? Oui, je l'ai chopé, je crois, au stage 280. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le stage 280 où j'ai récupéré, bien sûr, Deoxys, qui est quand même assez bon. Hein, il a une base stat de 80, je sais plus vraiment son talent, faudra qu'on regarde. Ah oui, Roi Tiflamme, faudra qu'on regarde après ce petit niveau. Ah, attends, on va essayer de se concentrer. En fait, j'hésite au niveau du Link en fait. Ah ouais. Ah oh, quoique ça peut être pas trop mal. Ouais, c'est pas terrible en fin de compte. J'aurais préféré faire mieux, malheureusement ça a pas été le cas. Voyons voir ici. Oh là, pas mal là, pour avoir le Mega Latios très bientôt. Bientôt midlife, hein, bientôt midlife sur le Pokémon. On va continuer ainsi. Là on est plutôt pas mal, on fait pas mal de combos, on est plutôt bien. Est-ce qu'il va être en mode Fury après ce niveau là? On va bien sûr regarder Roitiflame parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu zappé ce Pokémon. Et il reste un tout petit coup, on va faire celui-là, voilà, nickel, parfait. On va essayer de voir si on peut le capturer. L'XP sert à faire monter tes Pokémon quand tu combats. Ouais ouais, je sais Cocolab, mais il y a aussi l'XP justement en maxi. Qui est vraiment très très intéressant. Je vous conseille toujours Victini le samedi, hein, s'il y est toujours, il me semble, parce que c'est vrai que je me connecte pas trop le samedi et puis dans les autres jours parce que je joue pas hors live ou hors vidéo. De toute façon, je fais même plus de vidéos sur Shuffle, je fais que des lives sur Shuffle. On arrive à 12%. Ouais, mais faut tenter 12%, mais on sait jamais, tu vois. On va regarder le Roitiflamme. En mai, on aura Darkrai dans Rossa. Ah, ça c'est pas mal ça, Kylan, d'accord. Si garde 100%, je connais sa base stat. Elle a combien, Arix? Mais par contre, elle n'est pas disponible hein, pour le moment. Le Zygarde Transformer, là, on l'a toujours pas. Hein. Simiabras, on l'a déjà eu. C'est le Pokémon 361 sur mobile. Ah, on l'a déjà eu sur mobile. Est-ce qu'on l'a eu déjà alors sur Shuffle? Ah, il peut être énervé qu'une seule fois? Ou alors c'est de temps en temps qu'il... Alors, est-ce qu'il y a Roitiflamme? Oui, Roitiflamme, je l'ai déjà obtenu. Je l'ai déjà obtenu en roi S avec le gros tichon et puis le Pokabou. Non, le Grigou, parce que Pokabou c'est le nom japonais. Je sais pas pourquoi je vous dis toujours Pokabou, mais je trouve Pokabou que Grigou c'est beaucoup mieux, tu vois. Bon, bref. On va continuer le Zygarde. Du coup, vous en êtes à où dans Shuffle là, actuellement? Vous avez fait tous les niveaux à peu près ou pas? 90 de base stat, Zygarde 100%. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est... Tu te rends compte, c'est presque 100 quand même. C'est relativement puissant. Après, tu sais son talent ou pas? Bien sûr, on peut récupérer le Zygarde 100%. Non, Primo Groudon, Primo Kyogre via le cheat, mais moi j'ai envie justement de jouer honnêtement. Bien sûr, on peut récupérer aussi Métamorph, mais ça m'intéresse pas. Parce que sinon, après, il n'y a plus vraiment envie de jouer à ce jeu, tu vois ce que je veux dire. T'as plus la surprise des events, tout ça, tu récupères tes Pokémon, là, bah ça, tu vois. Ben, le but, c'est le découvrir et voir si on n'est pas obligé de payer ou on est obligé de payer, tu vois. Pour continuer le jeu. Merde. Voilà. Je viens de capturer Lector sur mobile. Ah, mais en fait, t'es plutôt sur mobile, Momokudo, d'accord. C'est en juin, c'est Arceus. Arceus, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu dans Shuffle. Shuffle, tu l'as commencé il y a longtemps. Je l'ai commencé, je pense, ça va faire bientôt un an. D'ailleurs, on a passé la barre des 10 000 vues sur le premier épisode. Merci beaucoup, les amis. Niveau 180 sur mobile. D'accord. Ah, il a 7%, il est bientôt à 14%. Bon, 14%, c'est pas très, très, très beaucoup.
Il y a commencé Shuffle 3D, ça sortit en 2015. Oui, j'ai commencé vraiment à la première semaine de Pokémon Shuffle où il y a vraiment tous les events qui étaient en place. Je crois que ça a commencé par Tortank, qui me semble en méga. D'ailleurs, je l'avais même pas récupéré parce que je savais pas qu'on était obligé d'utiliser des power-up, on va dire, sur le dernier jour de la compétition. Parce que je me suis dit, à mon avis, on peut le faire sans power-up, mais c'est relativement très très compliqué. Il faut vraiment avoir des bons Pokémon, des bonnes bas stats, etc. Et surtout bien connaître le jeu au niveau des entraves, au niveau des patterns des Pokémon ennemis. Mais après, le Zygarde. Il va être sympa, mais je pense pas que je vais l'utiliser parce que si le talent il est pas. En fait, sa bastade peut être intéressante, mais si son talent il est complètement merdique, tu vois, ça sert un petit peu à rien de l'utiliser, tu vois. Genre le talent hasard, personnellement, moi il me tente pas des masses, tu vois. Parce que déjà, t'as le méga ténéfix avec le talent hasard, c'est soit ça fait du dégât, soit ça fait pas de dégâts. Enfin, c'est pas vraiment très très fou en soi, tu vois. Ah là c'est pas mal, bah, par contre je vais essayer de le mettre ici. Ça va, on fait pas mal de combos quand même, tout de même, hein, c'est plutôt cool. Wow, le Zygarde, fais voir. 320 quand même, hein, ligne de 5, 320, bah, c'est pas mal. J'ai capturé Zygarde 50%, hein, 5%, bah GG Momokudo, très très bien ça. Fossure mobile, le 180, c'est Megaptera. Pourquoi il a dit 180 alors je comprends pas. Parce qu'Elector sur mobile, ça doit être sûrement bien les Pokémon X, hein, seulement. Bon bah, on va galérer à l'avoir ce Pokémon, hein. 16% c'est pas assez fou, c'est pas fou. Hein. Faudrait plutôt du 40 à 50% en moyenne. Là, on aurait un petit peu plus nos chances. Dans la version de base, t'as pas des vies genre 5 heures. Si, si, t'as que 5 vies hein, sur le jeu sur Shuffle. Mais le truc qui est bien, tu vois, maintenant sur les events qui proposent Pokémon Shuffle, c'est que des fois, eh bien, on te propose de gagner des vies comme récompense. Donc ça, c'est assez formidable, ça. Ça, c'est cool pour tout ce qui est Safari Pokémon, les Pokémon qui sont extrêmement rares, genre Karchakrok qui était vraiment très compliqué à trouver, Démolos et puis Forestress, etc. Il y en a pas mal, hein, d'autres Pokémon. Genre Camerupt aussi, Camerupt était plutôt compliqué à trouver. Il y avait quoi d'autre, je crois il y avait Flambu parce qu'il y avait Brasillon en Pokémon, justement, en Pokémon défi, où il nécessitait un puissance plus pour le capturer si vous avez pas vraiment de très très bons Pokémon. Donc ouais, Elector c'est dans les ex comme tous les légendaires, exactement. Dark 68, exactement, à part Rayquaza. Parce que si tu dis, on cite tous les légendaires, tous les Pokémon en X sont des légendaires, pas tous non plus. Rayquaza n'est pas légendaire, on l'a eu en forme d'event et ensuite au niveau normaux. Parce que à la base c'était un stage event et ensuite ils ont dit, vous allez le récupérer parce que on a l'occasion de vous faire découvrir eh bien Mega Rayquaza, qui a un talent vachement cheaté, mais malheureusement pour le faire fonctionner à son plein potentiel, bah, il faut à peu près 20 méga bonbons. Hein, 20 méga bonbons, c'est pas facile à trouver. Hein. Généralement, vous utilisez les events à votre avantage dans les compétitions pour avoir des méga bonbons. Hein. Parce que sinon, vous galérez. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Je sais pas, je vais essayer ça. Ah, c'était pas fou. J'ai l'impression qu'on va galérer à l'obtenir, le Zygarde 50%. Ça se trouve, il est peut-être très très nul, on sait même pas, tu vois. 316, pas mal, pas mal. Je l'avais avant, mais je l'ai désinstallé car avec les vies, c'était chiant, j'étais... Ah non, mais oui. Mais t'étais vraiment au tout début, en fin de compte. Mais oui, c'est vrai qu'avec la fonction Pokémon Shuffle sur mobile, c'est beaucoup plus facile de choper des vies. Et je crois que tu demandes à tes amis sur Facebook, je crois que tu récupères des vies, c'est pas un truc comme ça, si? Vous pouvez me le confirmer pour ceux qui jouent sur téléphone? J'aimerais bien le savoir, ça. Tu as demandé où on est, donc, normal 180 en X19. Ah, pas mal, pas mal. Excuse-moi, alors j'ai cru que tu parlais de Simabras. Ah non, t'inquiète, pas de soucis. Hein. Le talent de Zygarde, dans mes souvenirs, c'était force plus 5. Ah, ouais, pas mal. J'étais au tout début MDR, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
Bon, on va essayer de l'obtenir là. Échelon 10 bientôt là. À moins que tu t'énerves et là on a plus de chance. Ah. Wow. Zygarde énerve, s'énerve. L'échelon de niveau monte de 5. Ah ouais. On est déjà à l'échelon numéro 15. Mais c'est vraiment pas mal d'avoir fait ça. Je vais tenter un petit méga départ pour commencer à optimiser nos chances de finir le niveau assez rapidement. Allez, vas-y, go. Oh là là. Ça optimise que dalle, ouais. Ah, là, il y a des combos, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai l'impression, quand il est énervé, il a quand même un peu plus de HP. Ou alors, c'est moi qui divague, c'est peut-être possible. 563. Oh, on va le terminer d'ici peu, regarde. On va tenter... Merde, j'ai fait de la merde. Ah bah non, c'est bon, parfait. Il restait 12 coups restants, mais bon. Moi, c'est comme Pokémon Rumble, c'est pay to win. Ouais, c'est vrai que Pokémon Rumble, Rumble 3DS, pour, on va dire, finir le jeu à 100%, il faut quand même débourser 3000 joyaux, donc équivaut à peu près, je crois, à 30€ sur l'argent réel pour avoir toutes les bestioles. Sachant qu'ils n'ont pas été mis à jour après Pokémon Rumble. Enfin, ils ont fait... Oh cool, nickel, j'avais pas fait attention. Ils ont fait justement une mise à jour, je crois, sur Pokémon Rumble World pour implémenter deux montgolfières supplémentaires qui coûtent la peau des fesses, ils coûtent entre 250 et 200 Poké Diamants. Franchement, ça fait mal. Et je crois qu'il y a une montgolfière supplémentaire, montgolfière défi, je sais pas quoi là, où tu peux recruter des très très bons Pokémon, genre Mewtwo, etc. Je crois. Si tu en envoies ou tu en reçois, la jauge te remplit quand elle est complète, tu gagnes un cœur. Ah, pas de soucis, Momokudo, merci. Salut Nicolas Bleburn, ça va bien? Vers le level 60 chez moi, je crois, Spectre. D'accord. Le talent de Zygarde est anti-barrière plus. Anti-barrière plus? Non. Sérieux? Ah ouais! Bastade de 80, comme vous me l'avez dit. Par contre, le talent, on m'a dit force plus 5, mais non, c'est anti-barrière plus qui est vraiment très très intéressant. Qui fait disparaître 3 barrières. Bah, ça, c'est vraiment cool, son talent. C'est un bon Pokémon. Hein. Là, je pense qu'on va l'utiliser assez souvent, tu vois. C'est pour ça que j'avance pas. Ouais, bah tu m'étonnes. Ah ouais, ouais. Moi, c'est comme Pokémon Rumble. Salut Sakito, comment vas-tu? Je t'avais pas vu, ça bien. C'est pour ça que j'avance pas. Car en jouant, normalement, tu peux pas avancer. Faut dépenser. Pas forcément, mais faut jouer vraiment beaucoup. Ouais, faut jouer vraiment beaucoup. Parce que si tu joues pas vraiment beaucoup, enfin, on va dire, tu sais, t'as les 5 justement vies du jeu. Et après, tu peux te permettre, bah, toutes les 30 minutes, tu gagnes une vie supplémentaire. Donc après, oui, faut roxer dans le jeu à farmer tout ce qui est pièces. Et puis pour les compétitions, pour essayer d'avoir les méga turbo, etc. Pour que ça soit beaucoup plus facile au niveau de shuffle. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain moment dans Pokémon Shuffle, je pense... À un moment du jeu, je pense qu'il faut payer dans les stages 269, je crois, ou 280 avec tout ce qui est Roserade, Broabam, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Blizzarwa qui est super chiant aussi également, Deoxys, Mega Rayquaza avec full item, et j'avais même pas réussi à le capturer, j'étais obligé d'utiliser un joyau, mais vu qu'il récupère encore un joyau parce que c'était un buzz, donc du coup j'avais réussi à le passer. Mais franchement, ouais, il y a des Pokémon qui sont relativement très très compliqués à avoir en rang S, hein, j'insiste bien, le rang S si vous voulez faire du 100%. Désolé, j'ai bug, mais y a pas de souci qui run, pas de souci. C'est ça, t'avances lentement et faut XP tes Pokémon, donc bah toujours XP justement le Pokémon Pharamp ou le Pokémon Ronflex qui vous permet de gagner des niveaux assez facilement avec l'XP 1,5. Et le Victini tous les samedis qui est très 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 important donc, mais par contre il vient qu'une seule fois tous les samedis. Et puis les pièces du Miaus, très important pour récupérer maximum de pièces avec le Mega Branette et avec le talent Volatile Plus qui vous permet d'échanger certains Pokémon et donc du coup fait apparaître des pièces sur les Miaus comme je vous avais pu montrer dans les différents épisodes de Pokémon Shuffle. Voilà, on a fait le tour sur les Pokémon défi. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Groudon, on l'a déjà eu, lui on l'a eu en fait. En fait, on a tout eu en fin de compte. Le Zygarde, on l'a eu aussi également. Et le Miaous, bon, on va pas faire le niveau parce qu'on est full pièce de toute façon. Au niveau des ex, j'en ai récupéré 0, mais par contre, j'en ai débloqué. Je crois qu'on s'était arrêté
À Scorvol, il me semble que vous avez pu voir maintenant, il y a Porygon, c'est lequel celui-là? C'est Porygon Z, voilà. Niveau recommandé quand même, niveau 7, hein, c'est quand même vraiment pas mal. Je pense qu'on pourrait essayer d'avoir jusqu'au 310 pour faire apparaître le Pokémon X supplémentaire, donc à savoir le 36e. Je sais plus, j'ai l'impression que ça serait un Arcanin, non? Un truc comme ça, non? Je sais pas. Je dirais un Arcanin au niveau de la silhouette. Donc on va continuer la quête principale. Au niveau du 100%, au niveau du rang S, alors qu'est-ce que nous avons au niveau des zones visitées? Donc tout ça on avait capturé, tout ça, tac tac tac, ouais. Oh ouais, 57 sur 59 au niveau des captures, donc au niveau 241 à 300. Et on est bientôt à finir cette zone du 241 à 300 en rang S, donc je pense qu'on va faire ça. Par contre, c'est vrai, du 300 à 350 pour les rangs S, c'est... Là, ça devient vraiment très très hardcore et je vous conseille justement des power-up bien évidemment. Au niveau des Pokémon, bah voilà, on en a capturé 321 sur 334. Bien sûr, on a 350 niveaux, mais faut aussi compter les Pokémon qui méga évoluent, du coup on les compte pas forcément. Je pense que c'est pour ça que on est qu'à 334 et pas 350. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va se TP ici. Alors 240 je l'ai déjà aussi, ouais. Roserade qui est très très compliqué, je vous conseille full power up pour réussir et bien avoir en S. Et encore il reste très compliqué tout de même. Qu'est-ce qui m'avait saoulé il y a pas longtemps? Broabam il est casse-couille, lui il est casse-couille aussi. Lui aussi les casse-couilles, encore ça va. Ariyama qui est quand même assez résistant je trouve. Mushana je vous conseille Muna, enfin Muna je vous conseille Muna comme Pokémon justement pour avoir le rang S. Mushana qui est un petit peu compliqué, Galeking qui est très compliqué aussi également. Putain j'en ai capturé vraiment pas mal en fin de compte. Ça c'est bon. Lui il est très très chaud lui. Hein. Oh, lui il est super chaud. Qu'est-ce que nous avons d'autre que j'ai pas? Tarinorm aussi est vraiment chaud. Ah Blizzard, on l'a pas eu rang S tiens. Et on l'a pas capturé. Ah ouais on l'a pas capturé. Bon on va essayer de le capturer. Je vais prendre pas mal de power up. Alors attends, qu'est-ce qu'on conseille? Méga Ptera ou bien Méga Charmina ou Méga Mistibule ou Méga Dracofeu. Je pense qu'on va prendre Méga Dracofeu. Certes il est que niveau 3 mais bon. Je vais essayer avec 4300 pièces, on verra bien. Aspect, t'as sûrement continué jouer Zelda Twilight Princess HD sur Wii U, Nicolas Blackburn, je l'ai terminé, j'ai fait tous les montages, je vais bien sûr poster bien tous les épisodes, bien en fonction, bien si vous voulez plus d'épisodes ou pas, et je vais bosser sur les miniatures de Twilight Princess HD sur Wii U, mais je crois qu'on a à peu près à 46 épisodes de Zelda Twilight Princess, sachant que j'ai récupéré tous les cœurs du jeu, hein, voilà, j'ai pas fait le 100%, mais en tout cas, je suis très content de d'avoir fait ce Zelda justement en mode héroïque et en découverte. Je vais pas vous en dire plus, ça sera la surprise. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir récupéré les vainqueurs du jeu. Voilà, tout simplement. Donc alors, on va essayer justement le Mega Bizarre War. On était à combien de pièces? J'avais pas fait attention, je crois qu'on était à 4600 pièces à peu près. Ah tiens, on a ça, c'est pas mal ça. C'est vrai qu'il est en Y. On aurait pu aussi prendre le Dracofeu en méga au niveau X. En méga X, mais bon. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On pourrait partir sur ça. Comme ça, ça élimine justement les entraves pour continuer à faire pas mal de combos. Là, on pourrait se mettre ici. Là, on est plutôt pas mal. Vous avez vu quand même, on lui inflige quand même pas mal de dégâts. Mais sa vie se vide vraiment petit à petit malgré tous les combos qu'on a pu utiliser. Là, on est très très bien. Voilà, Laurent S pense qu'il est à portée de main d'ici 3-4 coups, je pense. Ouais, là on est très très bien, on est très 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 bien. Le petit Yatran, ouais, le petit Yatran, on pourrait le mettre. On pourrait le mettre où? On va essayer de le mettre ici, voilà. Ah, il a pas déclenché son talent dernière force, ça c'est dommage. C'est dommage. Bon, on avait dit 2-3 petits coups, est-ce qu'on arrive à ici? 404 à la fin du Link de 5 Yatran, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je pense le roi S. Eh bien, est arrivé, on va voir un petit peu le Pokémon justement au niveau du talent et puis sa bad stat du Pokémon. Espérons le capturer quand même. Bah, 6%, hein, ouais, ça arrive à 32%. Avec une Super Ball, ça sera peut-être à 54-56%, on l'espère. Ah, on n'arrive pas à le capturer avec une Pokéball. Ouh là, 64%, c'est plutôt pas mal. On va tenter justement cette capture avec une Super Ball maintenant. Allez, vas-y, on croise les doigts. 1, 2, 3.
Et on l'a capturé, nickel. Bizarro a capturé le Pokémon numéro 289 en ROS. Ça, c'est très très cool. Et du coup, il a quoi? Ah, on pourra utiliser sa méga évolution ou pas? Est-ce qu'on avait obtenu sa méga évolution? Je sais plus. Il me semble qu'on avait participé à la méga Blizzarite, hein. Ouais, je crois qu'on l'avait. Donc, du coup, on a la méga gemme maintenant. Augmente parfois les dégâts, donc point écrasant. Et il a une bassade de 60, tout comme les Pokémon, eh bien, en méga, genre Absol, tout ça. Ils sont pratiquement tous avec une bassade de 60. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il nécessite que 3 méga bonbons pour mettre, eh bien, son plein potentiel. Et flasse toutes les cases au-dessus et en dessous de chaque Pokémon formant le Link. Eh, hey, Blizzard peut être intéressant en méga, tiens. Ok. T'as pas de Hyper Ball? Non, Hyper Ball, ça n'existe pas dans Pokémon Shuffle pour le moment. Peut-être qu'ils vont l'implémenter au fur et à mesure. Mais je pense que nous, on n'aura pas vraiment besoin. Parce qu'une Super Ball, je pense que c'est relativement cheaté. Sachant que les Pokémon peuvent être apeurés, même si on le voit pas forcément beaucoup en ce moment. À moins qu'ils ont corrigé ça dans une mise à jour. Parce qu'à la base, c'était fait exprès, le Pokémon qui était apeuré pour donner plus de puissance eh bien, à la capture du Pokémon. Et donc c'était plus facile de capturer tout simplement. Et c'est vrai que j'en trouve pas forcément quand il a peuré, hein. Alors du coup ouais ça c'est bon. Rondoudou en ROS, on va essayer de l'avoir. Attends, mon conseil lui. J'aime pas du tout le méga Steelix, hein. Son talent je l'aime pas du tout. Bah, je préfère méga Mistibule même s'il reste moins puissant méga que Steelix personnellement. Mais je vais prendre un méga départ et un retard d'entrée. Je pense que ça suffira amplement. Parce que le méga départ, je pense qu'il va éliminer justement toutes les entraves de bois. Et je crois qu'il fait apparaître des ronds doudous en fonction de ses entraves au niveau de son pattern. Donc ça peut être plutôt cool de finir ce niveau assez rapidement. Alors on va tenter justement ici. Ouais, je vais continuer avec... Là, je veux pas me prendre la tête, hein. Oh, quoique... faut peut-être se prendre la tête de choisir vraiment les bons coups. Parce que là... ça a pas l'air si facile que ça en a l'air, en fin de compte. Ah, ouais. Ah, c'est pas forcément facile, en fin de compte. Parce qu'en fait, il pop des ronds doudous à la con, du coup tu fais pas beaucoup de combos, hein. Ça c'est la merde par contre, hein. Ça c'est vraiment la merde, hein. Je vais même pas l'avoir le rang S je pense. Ah ouais, il a pas mal de ronds doudous à la con. Même un méga départ et un retard d'entrave, t'as vu, ça fait pas forcément le taf, hein. Faut vraiment utiliser les bons Pokémon, hein, parce que là on va tenter. Je vais même pas peut-être l'avoir, le Pokémon, je sais pas. J'ai pas l'impression que je vais l'obtenir, là. Ouh là là. Putain, c'est un rond doudou assez coriace, hein. Ouais, peut-être qu'en fait, le retard d'entrave, il fallait pas l'utiliser. Comme ça, il fait des combos au niveau de ses propres rondoudous. Et comme ça, ça fait tellement de combos qu'après, ça fait d'autres combos par la suite. Bon, et après, ça utilise le méga et je pense que c'est plus facile. Je pense un méga départ et pas un retard d'entrave serait le mieux. Faudrait qu'on tente. T'as vu, on va même pas l'avoir du tout le Pokémon là, t'as vu? Ah, peut-être, attends, je vais essayer un truc. Si on utilise justement un coup plus 5, est-ce que ça me permet d'avoir le rang S avec 4 coups restants ou pas du tout? Faudrait qu'on tente. Faut voir. Alors qu'est-ce que c'est le rang? C'est un rang A. C'est un peu mieux parce que j'avais le rang B. Tu peux me conseiller quoi pour le Dracolos dans les X? Je te conseille Kyurem, Mega Oniglali, Mega Lachas, Mega Lachos au niveau des Pokémon. T'as un large choix, hein, pour les Pokémon X. Sachant que Dracolos, il me semble que c'est 2 minutes de combo à faire. Donc je pense que t'as relativement le temps. Salut à toi Grimgorazak, comment vas-tu? JV Spectre, le chat, bonne soirée, à la prochaine. Dans la semaine, il n'y a pas de soucis Sébastien. Merci d'être passé, passe une bonne journée à toi. Et non, la Hyper Ball n'existe pas pour le moment. Tu conseilles qui pour Mega Mewtwo X? Mega Mewtwo X, je te conseille Giratina comme Pokémon. Mega Ectoplasma, très intéressant au niveau du Mega. Retard d'entrave, un Mega Départ, je pense que ça suffira. Et puis d'autres Pokémon qui te conseillent aussi également. Faut regarder justement au niveau des talents, au niveau des attaques super efficaces, etc.
C'est le Spectrolo, je suis celui qui s'appelle TKLord sur ta chaîne, donc je suis actif en ce moment, et bien bonjour à toi TKLord, et bienvenue aussi au ce pseudo Twitch Natel Capitano, merci beaucoup en tout cas, bienvenue à toi, et passe un moment sur la chaîne. Quel OSH copain qui me conseille pour avoir méga pharamp en S-105 Bah moi j'arrive à le faire sans objet maintenant, en utilisant méga Karchak Rock, qui est vraiment vraiment très intéressant. Voilà. Ok. Dracolos, je l'avais eu facilement. Bah, c'est vrai que Dracolos, il est pas si compliqué. Par contre, le Rondoudou, pour l'avoir en S... Attends, on va essayer justement le Dracolos vite fait. Avec un méga départ et un retard d'entrave. Attends, on va juste regarder un truc. Est-ce que je l'ai en rang S ou pas? Je l'ai en rang A. Tiens, on va essayer le rang S. Alors, qu'est-ce qu'on me conseille de base? Ouais, Curem, comme je t'en avais parlé. Megalachos, Megalachos. Propre Dracolos aussi, parce qu'il peut faire du dégât, c'est vrai. Au niveau des talents, qu'est-ce qu'on nous conseille aussi également? Alors, on a quoi? Augmente les dégâts, donc des combos de type dragon. Donc 88 de base stats, c'est bien. 88 aussi, donc ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est plus 5, plus, qui est très très intéressant avec une base stats de 90. Et aussi, eh bien, un Mega Oniglai qui peut faire des dégâts. C'est vrai que j'ai même pas mis 6 bonbons. J'en ai mis aucun. On peut tenter un méga départ. Attends, on va essayer peut-être un niveau. Oh, on a méga de Jancy qu'on nous conseille. Je te conseille peut-être pas. Méga Rayquaza. Méga Rayquaza aussi peut être très intéressant. Mais bon, là, là franchement, c'est le stage 300 hein, ou 350, je sais plus. Non, 300 parce que 350 c'est méga Mewtwo, je sais plus quoi, méga Mewtwo frippé. Donc pourquoi pas essayer avec ça, avec le méga départ. On va essayer juste un méga départ et on va essayer justement d'avoir le rang S. Si vous n'avez pas eu le rang S, bah essayez d'avoir le rang S en faisant les niveaux en même temps que moi. Donc c'est parti, on est parti. Très bien, là ça fait... Ah ouais, c'est vrai que je confonds justement les Voltali à la con. Oh bah là je pense que j'ai perdu là. Je me concentre vraiment très très peu. Ah c'est chiant ces Voltali à la con. Hein. Ça me met pas vraiment dans le bain, tu vois, Lina. Voltali à la con, il faut vraiment pas les mettre en plus de ça. Je pense que je vais recommencer le niveau, j'ai fait strictement de la grosse grosse merde. Attends, on va recommencer. Alors, c'est parti. Là on va se concentrer, je vais plus parler pendant un certain temps. Peut-être pas pendant 2 minutes, mais bon, on va voir. On va voir. Allez vas-y, on se concentre, faut pas visualiser les Voltali à la con malheureusement. Allez c'est parti. Ah c'est pas facile hein. Oh là ça avait bugué le bordel ou quoi? Putain déjà je suis de tension ce que ce délire. Elle ne jouait pas comme moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce délire? Là je suis de tension sur le Pokémon X. C'est quoi ce bordel? Ah mais y a un truc qui va pas là hein. Je fais que de la merde, il est à peine midlife le bordel. Non, je joue tellement mal, mais what, ça veut rien dire. Eh mais c'est quoi ce délire, attends. Ah, parce que j'ai le truc de recharge et du coup je peux pas prendre ma 3DS bien, c'est peut-être pour ça. Alors attendez, bon, là on se concentre. On se concentre, méga départ. On est parti, je vais juste lire un petit peu les commentaires. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Je connais pas tellement ce jeu, mais ça peut être cool. Non, il est vraiment stylé. Salut à toi, Colgi5011, bienvenue, bienvenue sur le stream, bienvenue à toi. Ah, qui a spammé 1 million de caractères, très très bien. Il s'est fait time out, d'accord. Ok, très très bien. On a un Tug parmi nous, bienvenue au Tug. Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je ne suis pas venu à la forme. Oh, Sei3Nord, comment vas-tu? Un petit revenant, bienvenue à toi. Bon, allez, on se concentre sur le Dracolos. Ça me fait chier, les Voltali qui pop. Enfin, moi, il me fait penser, justement, entre Voltali et Dracolos, ils se ressemblent tellement que... Bah, ils sont jaunes, en fin de compte, et du coup, Merde, j'ai pas mis méga départ. Oh là là. Je vais essayer sans méga départ, je vais essayer sans power-up pour voir. Bon, peut-être pas pour avoir le rang S, mais déjà, si je termine le niveau, ça sera déjà une bonne chose. Alors, j'ai pas vu c'est quoi en méga que j'ai pris, c'est Megalachos ou Megalachos? J'ai pas fait attention à ça.
Alors là j'ai pas vu, je me suis dit je dois prendre quoi et j'ai fait de la merde. Je sais pas, on dirait que je fais que de la merde depuis tout à l'heure là. Il s'excite. Ah, 45 secondes. Ouais, je pense pas l'avoir le Royce. Bon, moi, vous avez vu que c'est possible sans peu Europe. Si vous avez farmé les events, bah voilà, c'est pas si compliqué que ça. Dracolos, par contre, est un petit peu plus loin dans l'aventure, mais sinon, voilà. Bon, rang A, bah écoutez, on peut le faire sans peu Europe. Hein. Il est plutôt easy, même si je galère un petit peu, je confonds les Voltaïs et Dracolos à certains moments. Donc je suis désolé. Ben, on fera bien sûr les Pokémon en rang S. Je vous ferai un gros live sur les Pokémon X, qu'on aura à débloquer tous les Pokémon X. Et je vous dirai quoi prendre en fonction des teams, si vraiment vous êtes au début du jeu, à la moitié du jeu, ou à la fin du jeu, etc. Et puis on testera différentes teams. Bien sûr, je compterai sur vous pour m'aider, pour choisir les teams pour les Pokémon. Et bien, au niveau des X, pour les avoir en S, mais vous avez vu que c'est tout à fait possible de l'avoir sans power-up Dracolos. Voilà. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Pokémon Shuffle sur mobile. Moi, je n'ai jamais joué sur Pokémon Shuffle sur mobile. Hein. Il faut jouer chaque jour si vous voulez progresser sur Shuffle. Exactement, Thomas Nablaise. Tes conseils pour Mewtwo X, coucou à toi, Paysleep. Alors, attends, Mewtwo X, c'est, par contre, c'est les 300... C'est les 350, c'est ça? Ou c'est le, ou c'est les 250. Attends, on va regarder ça. On va regarder ça. Non, attends, là je suis dans les SP, c'est pas bon. Là je suis dans les X, c'est pas bon non plus. Voilà, dans les normales. Alors, voyons voir. Parce que je confonds Mewtwo X et Mewtwo Y. Entre le frippé et l'autre qui est badass. Alors voyons voir. Voyons voir. 360. Alors ça c'est quoi? C'est le X? Ah, c'est celui-là, le X. Alors attends, qu'est-ce qu'il te conseille? C'était quoi ces entraves pour voir un petit peu? Je l'ai eu en vrai, je... Je m'en rappelle même plus. C'est vrai que j'ai utilisé quand même pas mal de méga bonus. Je crois que j'ai utilisé tous les bonus. Alors du coup il fait quoi? Ouais, ouais, ouais. Bon, alors pour le moment il me conseille ça. Je vais juste regarder un petit peu ses entraves. Bon, bien sûr utiliser des bonus hein, pour les boss si... Alors attends. Ah oui, j'ai cru que c'était dans le temps limité. Alors du coup il fait quoi? Il fait des blocs d'acier. Ok. Ouais, attends, on va regarder un truc. Donc il fait des blocs d'acier au niveau des entraves. Donc je te conseille bien sûr en méga départ, retard d'entrave. Est-ce que tu peux avoir un Pokémon -1? Juste regarder un truc. Pokémon -1, ouais, donc ouais, retard d'entrave, méga départ. Si tu penses que ça suffira, si t'as des Pokémon assez level up. Sinon, si t'as des Pokémon pas trop level up, je te conseille aussi un Pokémon -1. Mais bon, après ça... Ça fait mal au porte-monnaie, au niveau des pièces, quoi. Mais sinon, bah Mewtwo, ouais, Mewtwo, Lugia, Cresselia et puis Victini. Ça peut être très très bien parce que tous les Pokémon de type psy... Oh là, ça fait quoi ça? Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, intéressant, je savais pas. Tiens, voilà, au bout de 55 épisodes, je sais maintenant qu'on peut regarder les... Les, comment ça s'appelle, les talents et puis les stats des Pokémon, sachant que je croyais qu'il fallait retourner à chaque fois dans l'espèce de petite Pokéball pour voir eh bien leurs talents, etc. Ou alors ça a été implémenté à la 1.3.0, c'est peut-être possible. Ah, mais c'est génial! Ah, ouais, pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ah, fallait le savoir, ça. Fallait le savoir. Bon, c'est écrit un petit peu en petit, mais ça va, on voit quand même. Ok, ok. Ah, c'est marrant, ça. Ah, tu viens de m'apprendre un truc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, ça marche très très bien sur mobile. Ouais, sans doute. Ça, bah oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné sur Shuffle, ça a bien changé. Ouais, c'est 3 Nord, on est à la 1.3.5 maintenant. La 1.3.0 qui a fait carrément une refonte de Pokémon Shuffle. Donc ça veut dire maintenant, on a toutes les listes des zones qu'on peut carrément se TP. On peut voir toutes les récompenses qu'on peut avoir en fonction eh bien, des Pokémon X. Par exemple, si tu as pas mal de Pokémon X... En rang S, eh bien, tu peux voir après combien il te reste à avoir de Pokémon, etc. pour débloquer les suivants, ainsi que les stages spéciaux. Voilà. Sinon, en stages spéciaux, comme je vous ai dit, on en récupère de plus en plus, hein, parce que c'est quand même
pas mal, je trouve. Au début, je croyais qu'il y avait que ça. Hein, genre, au début, il y avait que ça à peu près, tu vois. Après, ça s'est allongé en fonction de l'écran tactile, en fonction des mises à jour. Ils ont rajouté pas mal plus d'events, etc. Après, c'est sûr, quand quelqu'un commence Pokémon Shuffle, il est perdu, tu vois. Il sait pas quoi prendre. Il va dire, je prends qui? Je prends un Groudon, je prends un Watiflame et tout. C'est vrai que quand tu commences, t'as vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vrai que tu peux pas tout récupérer, donc faut quand même te renseigner un maximum pour essayer d'avoir eh bien le plus de Pokémon X et des Pokémon intéressants pour suivre sur ta quête principale, tu vois. La mise à jour aussi, ouais, la mise à jour a été totalement pétée, la 3.0 est révolutionnaire tellement. Bien sûr, Saitroner, pour ceux qui savent pas, on a maintenant des cartes de mission où tu gagnes des récompenses. Tu peux aussi gagner la méga Lucarinite. Parce qu'avant c'était juste en stage event, maintenant on peut l'avoir carrément dans le jeu, sachant que Mega Lucario est très très intéressant dans les stages normaux, donc c'est pour ça qu'ils l'ont implémenté. Je crois qu'il y a carrément bientôt une boutique qui va se mettre en place, d'après ce que j'ai entendu, une boutique pour acheter des gemmes, mais ça sera je pense plus tard dans le jeu, parce que il se peut aussi qu'il y aurait peut-être une version physique qui aurait lieu, parce que on pense à Pokémon Rumble World qui était donc un espèce de free-to-play, donc sur 3DS en jeu des maths, et on a eu le Pokémon Rumble World avec la foreuse pour 30€ je crois le jeu, et bien la possibilité d'avoir la cartouche physique du jeu, donc c'est tout à fait possible que Shuffle serait peut-être en version physique très bientôt, mais j'ai pas vraiment envie de me retaper tout pour avoir les rangs S, etc. Sachant que j'aurais pas les cheats et tout. À moins qu'ils te donnent 1 million de vie, etc. Mais par contre, t'auras plus les events. Donc c'est pour ça que je me dirais qu'il y aurait peut-être pas une version cartouche du jeu, tu vois. Qu'est-ce que vous en dites au niveau de cette théorie? C'est la mise à jour aussi qui a été vraiment très sympa. Le rang S pour Air Bizarre, 59, c'est chaud. Ou un jour sans item. Non, Air Bizarre est relativement facile. Tu mettras une partie de ton live sur YouTube. Natel Capitano, oui, il y aura une rediff, t'inquiète pas. Avec quelques drops, malheureusement, j'en suis vraiment désolé. Ouais, j'en suis désolé. Alors, attends, on va juste regarder un truc parce qu'on est... Quoi? Mais on est déjà 18h. Ah oui, d'accord. On a commencé le live à quelle heure? Ouais, mais attends, vu que j'avais quelques soucis, problèmes techniques, j'ai pas commencé le live à 17h. Donc, je sais pas, j'ai commencé à quelle heure le live vraiment officiellement. Alors, attends, juste voir un truc. J'aimerais bien capturer le dernier Pokémon. Au moins, ça compléterait bien toute la zone. Alors, attends. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que bordel? Alors, qu'est-ce que j'ai pas capturé en Pokémon? C'est qui que j'ai pas capturé, là? Mais... Merci. Alors, qui j'ai pas capturé en Pokémon que j'ai pas eu? Alors, voyons voir... Bah, merde, c'est quoi, alors? C'est qui que j'ai pas eu? C'est quoi ce délire? Attends, c'est 321, peut-être? Attends. 241 à 3 ans, mais what? Les Pokémon que j'ai pas eu, il en reste plus qu'un, mais il est où? Lequel que j'ai pas eu, là? Mais what? Je l'ai loupé, à mon avis, je suis parti trop rapidement. Du coup, j'ai pas pu voir le dernier Pokémon que j'ai pas eu dans cette zone. C'est une blague? Ah, c'est Gros Doudou, très bien. C'est Gros Doudou, on va le faire de speed, comme ça on va finir cette zone, du moins pour tous les Pokémon capturés dans cette zone. Alors, je sais pas, on va prendre un retard d'entra, méga départ vite fait, juste pour avoir ça. Re Kylan, à 17h30 que tu as commencé. Ah bah ça va alors, ça va. Ok, merci beaucoup. Là par contre, j'avoue que la semaine prochaine, Sashanobi, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, le retour de Simiabraz, pour ceux qui l'auront raté, qui est quand même assez intéressant au passage. C'est pas terrible là. C'est pas terrible pour les méga là. Ah, là c'est bien là. Là c'est bien. Bon, alors on a quelques petits bonus. C'est bien, on a pas mal de combos. Espérons montrer du beau jeu comme d'habitude. Ah, nickel. Plus d'entraves justement d'acier. Là on est un petit peu mieux dans la game. Oh, là c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. On aurait pu. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait le mettre ici? Ouais, là on est bien. De toute façon, on n'est pas là pour récupérer le rang S, hein, sachant qu'on l'a déjà, je crois, obtenu. Donc, au pire des cas, je veux juste capturer le Pokémon. En rang S. Ou pas du tout. Juste le capturer. Ça me ferait plaisir. Mais vaut mieux l'avoir en S, comme ça on a plus de chances de le capturer, quoi. Euh,
je pourrais aller là vite fait. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu 100 combos dans les stages de shuffle. Hein. C'est un petit peu la merde parce qu'il y a une mission justement où il faut faire 100 combos pour réussir cette mission et puis bien sûr d'autres quêtes. Là ouais ça va peut-être être fini. Putain, je pense pas avoir le rang S déjà le jeu. Ouais je pense pas que je vais l'avoir le rang S. On va essayer de l'avoir le Pokémon, je vous garantis rien. Avoir sorti Rumble World en version physique, c'est juste un moyen pour Nintendo de se faire l'argent. Exactement, parce qu'on a eu la version free-to-play, donc tu peux prendre des microtransactions qui à 99 centimes parce qu'ils avaient fait une offre commerciale il y a pas longtemps. Et ensuite, bah si tu veux justement finir le jeu à 100%, il faut débourser 3000 Pokéjoyeux, donc équivalent à 30€ donc de jeu. Et ensuite, ils revendent ça le jeu à 30€ avec la foreuse. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais je pense pas que Shuffle serait bientôt en physique, tu vois. Parce qu'il y aurait tout ce qui est event, etc. en moins, donc je comprends pas qui ferait ça, tu vois. Tout ce qui est méga évolution, event, stages spéciaux, ranked échelon, etc. tu vois, ça serait bizarre. Spectrolo, tu vas le live de Pokémon Legends of Mystère et Naruto Shippuden Marathon. Ah, oui, ça va reprendre. Après, les lives de Pokémon Mega Donjon Mystère, je sais pas. Je sais pas si ça vous plairait, en fait, des lives de Mega Donjon Mystère. Faudra voir, faudra voir. Et Naruto Shippuden Marathon, ça va reprendre très prochainement. Tu as fait comment pour cheater dans Shuffle? Il faut avoir une console en 9.2. Et ensuite, tu le mets en RX Tool pour avoir le Save Manager dans Pokémon Shuffle. C'est très compliqué parce qu'un downgrade, ça peut briquer ta console. Donc ça veut dire briquer, ça veut dire détruire ta console. Donc faut vraiment avoir la version déjà 9.2 de base. Parce que si t'es en 10.7 et que t'essayes un downgrade pour être en 9.2, je pense que ça va être ta console qui va mourir. Voilà. On sait pas sans danger. Sachant que j'utilise un moyen de filmer à 3DS, donc un 3DS capture qui coûte 250€. J'avais bien sûr regardé tous les dispositifs en place pour pas que ma console soit niquée et que je repaye un 3DS capture parce que ça coûte assez cher. Et je l'ai toujours pas obtenu ce Pokémon. Hein. C'est quoi ce délire? Attends, je vais retenter vite fait. Là, on va pas se faire chier, on va utiliser tous les items du monde. Je veux ce Pokémon. Là, j'ai pas le temps. Là. Je veux ce Pokémon, bordel. Bon, bien sûr, ne faites jamais ça. Hein. Sinon, vous n'aurez vraiment plus rien. Là, ça serait vraiment bien si j'ai si j'ai 100 Link en bonus. Ça serait vraiment stylé. Ah, malheureusement, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, malheureusement. À part si j'ai toutes les entraves, peut-être que je pourrais faire 100 combos et encore, je suis pas sûr, tu vois. Alors on a 25, il faudrait 100 les amis, il faudrait 100 et malheureusement 32 seulement. Bon voilà, bon, je suis sûr qu'on va l'avoir, hein, ce rang S, voilà. Spec, tu as eu les oiseaux légendaires avec leur talent Dream World, c'est les 3 Nord. Je l'ai eu, j'ai un code que Gulli m'a passé, je crois que ça doit être Articonin, Elector ou Sulfurage, je sais pas, c'est en fonction des caractères, donc ouais, j'en aurais peut-être un, mais j'aurais pas les deux autres en talent Dream World. Mais bon, après, il y a PKX au pire des cas. Salut Bifrost, comment tu vas? Je t'avais pas vu, ça va bien. Coucou à toi. Spectro cheat, exactement. Shuffle, mon gars, shuffle cheat. Voilà, on a récupéré donc le gros doudou avec un tir entrave plus qui fait disparaître deux entraves au hasard. Une bastade de 60, voilà, Pokémon plutôt intéressant. Et on a fini, eh bien, tous les Pokémon de cette zone. Donc là, c'est plutôt cool. Ah, on n'a pas le jingle qui fait ta-ta-ta-ta. Ah non, parce qu'on n'a pas eu les 5 rangs S à la fin de cette zone, d'accord. Alors attends, c'était entre 200, c'était entre deux, combien? 241, 300. Ah, 241, 300, attends, on va regarder vite fait. Alors, 241, 300, tout rang S, rang S, rang S, tac, 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 rang S aussi, rang S, tac, tac, rang S, rang S, ouais, rang S, tac, tac, rang S, rang S, ouais... Ouais, ouais, rondoudou, on va le faire avec des bonus. Ah, Dodrio Porygon 2, donc on va essayer. On va se faire ça et après on va s'arrêter là, comme ça on aurait fini une zone entière
dessus. Et comme ça, dimanche prochain, on fera Sacha Nobby, Simia Braz et puis d'autres choses encore. J'ai pas le planning pour la semaine prochaine, hein, mais on se fera bien sûr un live sur tous les Pokémon en X. Peut-être en S, hein, si on arrive à les obtenir. Je veux juste l'obtenir. Non, peut-être pas un Pokémon moins 1, faut pas abuser non plus. Hein. Salut le clasheur de YouTube 4, comment vas-tu? Ça va bien? Mais du coup, tu n'as pas la suite après le 350. Et non, Pesli, parce que même Nintendo n'ont pas encore mis à disposition les futurs niveaux plus de 350. Voilà. Même avec le cheat, tu ne peux pas dévoiler le cœur du jeu parce que c'est eux qui rajoutent la suite du jeu. Tu vois, c'est pas comme Pokémon X et Y où on avait carrément des données cachées, notamment au niveau de Volcanion Dancy et puis ou pas qui étaient disponibles. Là, carrément, c'est Nintendo qui met des données en plus. Donc, c'est à dire qu'ils auraient pu justement, par exemple, mettre la zone de combat dans Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, mais ils l'ont pas mis parce que ça se fait pas et ils auraient pu faire juste un DLC. On aurait payé 15 balles, mais on aurait eu eh bien cette zone de combat. Et je suis un peu dégoûté qu'on l'a pas eu. Mais bon, c'est pas le sujet de ce live, malheureusement. On l'a pas vraiment eu et ça c'est triste. Je suis très triste quand même qu'ils l'ont pas mis, hein. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est Nintendo, c'est Nintendo, c'est plus Nintendo, c'est Nintendroll, hein. Nintendroll, Nintendroll. Ils nous trollent beaucoup en ce moment avec Soleil et Lune, hein. D'ailleurs je suis content en fait qu'il n'y a pas des données, des infos qui circulent sur Soleil et Lune parce que au moins, on aura carrément toute la découverte du jeu. C'est la 7G, on saura rien sur le jeu et là, c'est cool, tu vois. En fin de compte, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool qu'ils nous spoil pas dessus, en fin de compte. Même si, j'avoue que je voulais au moins des informations, au moins une date de sortie, tu vois. Une date de sortie, là, par contre, je suis hypé, tu vois. Mais j'ai pas envie de savoir les starters, les mégas, les... Peut-être des primes résurgences, peut-être... pourquoi pas un Pokémon, justement, en primal, par exemple. On a eu Mega Mewtwo, ou un Mewtwo obscur, justement, au niveau de... Moi, je trouve que c'est un primal, c'est un peu comme Donjon Mystère, tu vois. C'est un Mewtwo sombre avec des cristaux. On peut partir sur le Dialga dans Donjon Mystère, équipe de secours, je sais plus quoi, ombre ou lumière ou je sais plus quoi. On avait Dialga primal. Donc ça peut être un Mewtwo primal dans Pokémon Tournament, hein. Et sachant que les versions japonaises du jeu de Soleil et Lune, on a bien sûr l'espèce de petite pierre en forme de synergie. Donc ça serait possible que ça sera amené à voir ce nouveau gameplay qui remplacera peut-être la Mega Evolution ou la Prime Résurgence. Donc ça peut être vraiment cool, voilà. Salut Nuno, comment vas-tu? Ça va bien? Et Cool Guy, encore ce petit troll, ce petit thug qui remet 1 million de lettres d'alphabet, c'est bien, on voit CNVG, DFG, n'importe quoi, mais c'est pas grave, bienvenue tout de même à toi. C'est un bot, tu penses? Ah, c'est peut-être un bot, Momokudo. Pourquoi il y a un bot dans le live? Ah, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Quand le prochain live sur Inazuma Eleven, Arix horaire, Twitter, Facebook pour les horaires des lives sur Inazuma Eleven et autres lives. Bon, Roes, comment dire, sur ce Pokémon? Bon. Eh bien, je vais utiliser toutes mes pièces. J'en ai marre, je veux ce rang S. Alors, je sais pas comment vous faites sans débourser le moindre centime. Parce que là, il est relativement chiant ce Pokémon. Ça commence à être pénible. C'est un petit peu la merde quand même. Hein. Pour l'avoir en rang S... Dépenser presque 11 000 pièces, c'est un peu la merde. Hein. Bon, là, t'es sûr que tu vas l'obtenir, hein, le rang S du petit rondoudou. Hein. Il y a 14 coups restants, je pense qu'on va l'avoir d'ici quelques secondes. Genre 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Enfin, on l'a eu. Au pire, si je galère, je farm. Exactement, mon coup de... C'est que tu voudras ce qui te manque. Ah ouais, je voudrais bien justement les oiseaux légendaires. Bah déjà, il y a une personne qui est Shadow Nico qui m'a offert un magnifique Volcanion chromatique. Pas chromatique, mais strat. Voilà, strat. Donc c'est plutôt cool. Merci en tout cas à Shadow Nico avec 1 million de chiffres. Merci beaucoup en tout cas. Bravo à toi. Merci. Mewtwo primal, ça aurait aucun sens. Bah après, Bifrost, on sait pas. Et Google Plus. Oh, arrête avec Google Plus, Bifrost. A mon avis, la CGI apportera la synergie un peu comme Sacha Nobby ou comme dans Pokémon. Peut-être qu'on serait amené à voir Sacha Nobby dans Pokémon version Soleil et Pokémon version Lune. Hein. C'est
ça peut être possible. Hein. La synergie, c'est un peu ça. C'est de une personne justement qui est un petit peu dans le Pokémon en soi. Donc c'est comme s'il formait une seule personne. On a vu ça dans Pokémon. On a eu ça dans Shinobi avec l'anime Pokémon XY et Z. On aura peut-être ça sur le jeu et je pense que ça sera sûr et certain car les boîtes japonaises, enfin les boîtes japonaises, les logos japonais de Pokémon Soleil et Lune, eh bien on a cette pierre qui est l'Epsynergie. Rappelez-vous, enfin pour ceux qui ont suivi le manga Pokémon en 2011, ils parlaient d'Epsynergie déjà. Donc à mon avis, ça fait longtemps qu'ils voulaient implémenter d'Epsynergie dans le jeu sous forme de gameplay sans doute. Salut Broken du 33, comment vas-tu? Ça va bien. Je me suis pas fait respecter, comment ça Natel? J'étais là depuis le début, j'étais juste à FK. Ah, pas de soucis, non, pas de soucis. À mon avis, cette déjà portera la synergie un peu comme ça, Char. Bah oui, c'est ça. Merci à toi, Broken du 33 pour le follow. Merci beaucoup, en tout cas, pour le follow. Des bisous à toi. Mewtwo ne peut pas avoir de forme primale. Il est déjà primal, il vient d'être créé. Donc de base, il peut pas avoir régressé. Tu sais, avec la primo-résurgence, tout ça, on sait jamais, hein. Tu sais, Pokémon, ils sont là pour nous mettre le paquet à chaque fois, donc ça peut être possible. Moi, je verrais bien, justement, le Jalga qu'on a eu dans les donjons mystères, eh bien, implémenté dans Pokémon Soleil et Lune, ça serait vraiment génial, hein. Moi, je kifferais avoir Jalga primal. C'est un peu comme Mewtwo, en fait. Mewtwo, pas Mewtwo, mais Lugia Obscur, par exemple. Je sais pas si on peut l'implémenter sous forme de Lugia primal. Parce qu'on a Pokémon XD, le soupe des ténèbres, on a Lugia obscur. Tout ce qui est Pokémon obscur n'est pas forcément justement un Pokémon primal en soi. Donc, faut voir. Enfin, j'aimais bien le principe des Pokémon obscurs par contre, dans Pokémon Colosseum et XD, le soupe des ténèbres. Psynergie me rappelle trop Golden Sun. Ah, c'est vrai, Psynergie. C'est vrai qu'il y en a dans Golden Sun sur GBA et puis sur 3DS. Merci, c'est 3Nord pour le follow à toi, des bisous. Bon, j'ai Switch sur mobile, bah, pas de soucis, pas de soucis. Bon, alors il nous reste quoi comme Pokémon Roi-S à obtenir? Il nous reste lui, Dodrio, Porygon 2Z, je sais plus. Oh non, non, mais Garayquaza, ça va être ultra, ultra compliqué à l'avoir en Roi-S. Hein. Là, ça va être très compliqué. Hein. Je pense qu'on va même pas l'obtenir dans cet épisode en live. On va essayer d'avoir le Dodrio. Putain, Dodrio avec le Rancé, c'est n'importe quoi. Hein. On va essayer avec... Ah tiens, on va tester Mega Bizarre Watch. Hein. On va essayer, on va utiliser un Mega Départ autant longtemps avec un truc comme ça. J'utilise toutes mes pièces du jeu, on s'en fout. Juste regarder le petit Mega Bizarre Watch, qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire, le Mega Bizarre Watch. Putain, on dirait un Mega Lucario. Ah, stylé. Ah ouais, c'est un méga Lucario en fait, trop bien. Ah ouais, c'est génial ça. Ah ouais, je dis oui. Ah pas mal, pas mal. Oh là 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 là, pas mal. Bon après les combos n'y vont pas forcément avec, mais c'est pas si grave que ça. Ah ouais, ouais 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 ouais, pas mal du tout. Ah Mega Blizzard ouais, est une source sûre dans Pokémon Shuffle, waouh. Oh là, 696 alors qu'il est que niveau 1 le bordel. C'est génial. Oh là 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 là, 498, on continue justement les combos. Bon là, on avait pas mal de pièces, hein, je vous avoue. Mais ça franchement, c'est vachement cheaté, hein, Mega Bizarre War. Hein. J'aurais pas pensé. Hein. Oh là là, ça continue, on continue les bonus et on arrête au dernier combo. Et ça fait quand même un total de 30 combos avec 21 000 en score, c'est plutôt pas mal. Sun et Soleil en anglais en même temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Salut à toi, Preston Dabaleur 123, coucou à toi. Désolé, je comprends pas trop l'anglais, mais hello Preston Baleur 123, bienvenue. Bienvenue à toi. Moi je chasse Maryl en horde. Bah bonne chance Broken du 33 pour ton Maryl chromatique qui est vert en chromatique. Sun et Soleil en anglais en même temps. Avec Golden Sun Obscure Aurore il me semble sur 3DS. Après t'avais quoi? Golden Sun l'âge perdu et il y en avait un autre. Je sais plus comment il s'appelle. J'en ai aucune idée. J'ai pas réussi à faire tous les Golden Sun. En fait j'en ai reçu aucun, j'étais bloqué. Ah, c'est comme tous les Zelda et tous les jeux Mario quand j'étais gamin, j'ai jamais réussi. Un jour quand je ferai un let's play dessus, je pense que je les terminerai. Tel est mon Indo. Mon Indo YouTuber. Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 9000 pièces.
Méga Lucario plus Pull Méga Blizzard. Mais ça, c'est chaud, hein. Méga Lucario est vraiment stylé. Méga Blizzard a carrément presque le même pattern du Méga Lucario. Sauf que... il fait des verticales et des horizontales, Lucario. Oh là là, c'est vrai, c'est lui. Oh là là, il fait son souvenir, je m'en rappelle plus. Ah, ça sert à rien. Il faut trouver... Oh là là, c'est un... C'est un truc rang S à obtenir. Ah, c'est la merde. Quoi? Mais j'avais tout obtenu, c'est quoi ce délire? Oh là 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 là. On l'aura jamais rang S. Ça sert strictement à rien. Voilà une petite chose conne. C'est que bah il faut jamais utiliser un... tous vos power-up dans ce niveau parce que c'est un niveau à puzzle en fait. C'est un niveau à puzzle. Ah bah qu'est-ce qu'il fout là lui? What the fuck? Oh là là, le niveau à puzzle c'est tellement casse-couille. Je pense qu'on va pas l'avoir en S, faut trouver une technique. Si on n'y arrive pas dans ce niveau là, on essaiera de trouver ça sur internet ou j'essaierai de voir les moves qu'il faudrait faire. Mais je me suis dit ça c'est pas mal parce que ça débloque tout, mais après ils disent qu'on peut plus jouer et ça débloque rien. Ça je comprends pas. C'est assez bizarre. Bon, le rang S laisse tomber. Hein. Le rang S c'est fini. Oh là là, il est pénible lui. Hein. Oh, il est pénible. Putain, un porygon de merde. Oh, laisse tomber. Mais non, mais... Oh là là. Là, il est chiant ce niveau. Ça lag. Ah merde, ça lag. Je suis désolé si ça lag. Vous m'entendez quand même? Des images des Pokémon Shuffle ont été améliorées. Certaines animations, c'est les 3 Nord, ouais. D'ailleurs, no, j'ai le charme chroma now. Ok. Un jour, je serai Shiny Hunter, tel est mon Indo. Un jour, j'aurai une bonne co, tel est mon Indo. Ah, très bien, Nono. Putain, mon frère qui bouffe toute ma co avec Skype. Ah, là là. Dommage. Tu n'as pas de chance. Bon, bah là, on est baisé. Hein. On est baisé. Hein. Là, pour le rang S, je vois pas. Faut faire un move spécifique, hein. Là c'est clairement ça. Mais attends, je vais tenter un truc. Ouais, non, je pense pas qu'on va réussir. Ou alors, attends, Ferro-Singe, on m'a conseillé Ferro-Singe. Pourquoi Ferro-Singe? Attends, voir. Il y a peut-être un talent qui est cheaté en fin de compte. Attends, Ferro-Singe, pourquoi Ferro-Singe? Type combat, j'imagine. Combattez où? Ferro-Singe. Pourquoi Ferro-Singe? C'est quoi ce délire? Ferro-Singe. Augmente 5 Pokémon. Aligner 5 Pokémon. Mon parfait, les gars. Pourquoi l'implémenter lui? Je comprends pas. Je comprends pas du tout là. Hashtag DSL merdique. J'ai pas de chance. Ouais, ça va très très bien. Ah, mais là on est baisé pour Porygon Z. Porygon 2 en S. Bah là, je vois pas les gens. Je vais essayer de faire celui-là, après on va s'arrêter là. Faut que je bosse sur les miniatures et je vous posterai un épisode de Zelda Twilight Princess, ça je dis. Ah là là, je suis triste. Comment on va faire pour avoir en S ce truc là? Et donc c'est pas mal ça. C'est pas mal ce petit move. Le petit move des familles là. On est bien, on est bien. Sachant qu'on veut l'avoir en OS hein, de préférence. Hein. Donc bon. Faut mettre le paquet là. Faut mettre le paquet. Putain, mais on voit rien là.
Ouais, bon, le rang S, moins du 6 des power-ups, peut-être, non? Non, mais... Saloperie! Ah, le méga qui arrive beaucoup trop tard, quoi. Il arrive beaucoup trop tard. Ah, il fait quand même du 600, hein, c'est pas mal, hein. Ouais, laisse tomber. Moi, je regarde le live de Spectrou. Prends-y garde, il a anti-barrière plus. Ah, pas con. Oh, non, mais attends. Cocolab, je crois. Attends, on va essayer avec ton truc. On va essayer avec ton hypothèse. Mais Zygarde, il me semble pas qu'il va apparaître, sachant qu'on a... Attends, on va essayer, on va essayer. On va essayer. Attends. Zygarde, donc c'est dragon. Dragon... Non, mais dragon, dragon. Voilà, dragon. Alors, dragon, Zygarde. Zygarde, tu es là. Je pense pas, hein. Je pense pas du tout, hein. On va essayer, on va essayer. On va essayer, on verra bien. Tu vois, regarde. On le voit pas, tu vois, le Zygarde. À mon avis, il faut avoir un move spécifique, tu vois. Tu vois le délire? Là, c'est mort. En fait, il faut faire tomber les Pokémon avec les entraves. Enfin, ça a l'air vachement... En fait, faut avoir des moves spécifiques. Si t'as pas le move spécifique, les Pokémon ne tombent pas. Et du coup, là, tu pourras pas finir le niveau. Tu vois le délire? Là, c'est la merde. Donc, faudrait que je m'en renseigne. Ou j'essaierai de le faire en vidéo. J'essaierai de vous dire quel move faudra faire. Ou j'essaierai de faire un espèce... Ah ouais, pourquoi pas faire un espèce de tuto Pokémon Shuffle pour les Pokémon, en fait, en puzzle, en fait, des Pokémon puzzle. Ah, ça peut être intéressant. Faudra voir. Faudra voir. Comme ça, ça pourra aider des personnes. Et j'essaierai de faire aussi peut-être une vidéo où montrant toutes les méga Pokémon au niveau des stages normaux. Comme ça, ceux qui sont bloqués, je pourrais les aider, je pense. Ça peut être marrant. C'est quoi le talent de synergie? Non, c'est pas un talent de synergie. Enfin, synergie, c'est dans... C'est dans, comment ça s'appelle, dans Pokémon Tournament. Et puis dans la strat aussi, on choisir la bonne synergie, etc. Salut Spect, salut chat, salut à toi Shin Baptiste Gaming, comment vas-tu? Ça va bien? Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que bon, le Porygon, on n'y arrive pas. Quoique le Mouflair, on pourrait y arriver en S. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. On utilise des bonus et on y arrive. Ah, j'ai plus de joyaux. Ah bon, t'es sérieux? Eh bien si. Eh bien si, j'ai assez. Cassez-vous. Voilà. Là, on est bien. Voilà, là, on est bien. Nickel. Là, on va l'avoir le rond S, tu vois. Alors, ça va très très bien, Shin Baptiste Gaming. Ça va très très bien. J'arrive à la fin. Ouais, t'arrives un peu à la fin. Je t'avoue, t'arrives un peu à la fin. Mais... Après, j'insiste bien, mais si vous pouvez, bien évidemment, si vous pouvez dire, par exemple, si des personnes, justement, me suivaient, eh bien, dans mes lives YouTube, de dire, maintenant, je live sur Twitch, comme ça, j'aurais pas trop à me répéter, je ferais quand même une vidéo pour dire, voilà, maintenant, je live exclusivement sur Twitch, vous aurez quand même les rediffusions sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Mystère, pour ceux qui subent à la chaîne, je vous dirai, bien, le lien de cette chaîne Mystère. Comme ça, ça m'éviterait de me répéter à chaque fois dans les lives, parce que c'est vrai que c'est assez chiant au bout d'un moment, mais c'est comme ça après que les gens comprennent, c'est à force de rabâcher les choses, mais j'aime pas trop en fin de compte rabâcher les choses. Mais si vous pouvez justement les aider, bah ça serait vraiment sympathique de votre part. Et mettre un petit like comme d'habitude à la rediff. Ça aide beaucoup les amis. Sacha Nobi Force Plus 4. Ah, très très bien ça. Très très bien. Non, si, si, Spec, je m'en chargerai. Bah, merci, Nono. Merci beaucoup. Ok, ok. Bah, voilà, on a eu le rang S. Donc, du coup, on va se quitter sur un Mouflair rang S. Très très content, par contre, là. Très très content. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live sur Pokémon Shuffle. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un petit like et bien pour cette rediffusion qui arrivera dans
1 heure, 2 heures, je pense. Sachant que c'est record actuellement, je suis vraiment désolé pour les quelques petits bugs que vous avez pu rencontrer au niveau des drops. Eh bien, sur les live Twitch, j'essaierai justement de ne plus avoir ces problèmes à l'occasion pour de futurs lives sur d'autres lives Pokémon, etc. Jeux Nintendo et puis d'autres jeux. Encore, merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochains lives. Et je tenais à remercier eh bien des 5 abonnés sur la chaîne Mystère. Merci à tous et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde! Avoir ces problèmes à l'occasion pour de futurs lives sur d'autres lives Pokémon, etc. Jeux Nintendo et puis d'autres jeux. Encore, merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochains lives. Et je tenais à remercier eh bien des 5 abonnés sur la chaîne Mystère. Merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!